une dernière personne. Alléluia. On va prendre une dernière personne. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, prophète. Bonsoir. Merci, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle d'Italie. Vous appelez d'Italie, oui. Vous voulez qu'on prie pourquoi, s'il vous plaît? Pour ma vie de prière et pour mon fils de 6 ans. 6 ans qui ne parle pas jusqu'à présent. Il ne parle pas. Oui, oui, qui est autiste. Il est autiste. L'ego savara cachete. L'ego savara cachete. Écoutez-moi bien. Oui. Vous allez me répondre par oui ou non. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui ou non, tout simplement. Hein? D'accord, d'accord. Vous êtes déjà allé avec un homme marié ou pas? Oui ou non? Oui. Ok. Ok. Écoutez-moi bien. Oui. Écoutez-moi bien. S'il y a les enfants à côté de vous, tous ceux qui nous suivent en direct, enlevez les enfants. La régie, enlève les enfants à côté de toi. Je sais que tu as aussi les enfants. Enlève les enfants. Ou alors, éteins ta télé, je ne sais pas trop. Je vais prophétiser sur toi. Je peux continuer? Oui, oui, bien sûr. Ok. L'éco savara cachete. Est-ce que vous savez que vous avez été frappé par une malédiction? Non. Vous ne savez pas. Ok. Je vais reposer la première question que je vous ai posée. Et vous allez me répondre exactement par oui ou non. Parce que Dieu m'a montré ça clairement dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Ok. Est-ce que vous êtes déjà allé avec un homme marié? Oui. Hein? Oui. Oui. Je n'ai pas compris. Hein? Oui, oui. Oui, vous êtes déjà... Vous avez bien compris ma question, non? Je parle de homme marié. Oui, oui. Vous êtes déjà allé avec un homme marié. Oui. Ok. Madame, écoutez l'esprit de Dieu. L'ego sandara cachete. Je suis un prophète de Dieu. Le fait que vous êtes allé avec un homme marié, est-ce que vous comprenez? Oui. Écoutez le Saint-Esprit. C'est la malédiction de ça qui a rendu votre enfant autiste. D'accord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, amen. Écoutez-moi bien. Je suis un prophète de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Et après, je vais donner les conseils à toutes les femmes. Madame, écoutez-moi. Vous êtes le propre malheur de votre enfant. Est-ce que vous comprenez? Oui. Écoutez, j'ai dit quoi? Que je suis le propre malheur de mon enfant. Vous êtes le propre malheur de votre enfant. Oui. Ce qui arrive à votre enfant, c'est les conséquences de ce que vous avez fait au mari des gens. D'accord. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui. Ok. Enlevez les enfants, hein, ceux qui ont les enfants, parce que ce que je vois est très sale. Ce que je vois sur vous, madame, c'est très sale dans l'esprit. Et Dieu me parle sur vous. Et vous avez besoin d'une grande délivrance. Voilà pourquoi j'insiste sur ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. Et l'Esprit de Dieu est en train de me parler. Ainsi me dit l'Éternel. Vous êtes le propre malheur de votre enfant. Le fait que votre enfant soit autiste, c'est parce que vous avez eu à aller avec les maris des femmes, c'est-à-dire les hommes mariés. Et ces choses-là ont brisé le cœur de ces femmes. Et parfois, ces femmes étaient au courant que leur mari leur trompe. Et à chaque fois qu'elle criait à Dieu, la malédiction venait sur vous. Parce que je vois dans l'esprit, la plupart de ces femmes, écoutez-moi bien, la plupart de ces femmes élevaient les prières vers Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et la malédiction de ça est venue sur vous. Donc, ce qui vous arrive n'est pas naturel. Le fait que votre enfant soit autiste, la charge que vous portez là, c'est une punition de Dieu contre vous. Les gens jouent avec Dieu. Vous prenez Dieu. Dieu est amour, c'est vrai. Mais Dieu est aussi un feu dévorant. Voilà pourquoi j'ai très peur de Dieu. Moi, je ne joue pas avec Dieu. J'ai très peur de Dieu.
Moi, je regarde plus Dieu dans le sens de feu dévorant que Dieu amour. C'est ça qui me maintient de pécher contre Dieu. Mais ceux qui regardent toujours Dieu comme le bonbon, c'est le papa, on peut s'amuser, on peut faire n'importe comment, ils tombent dans la disgrâce, ils tombent dans la malédiction et ils sont punis très mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous comprenez? Amen. Vous êtes enfant de Dieu? Oui. Vous êtes enfant de Dieu? Ok. Oui. Laissez-moi parler sur votre vie. L'ego savara cacheté. Oh mon Dieu. La punition, c'est sa vie. Dieu vous a donné sa vie. C'est une punition, c'est-à-dire l'enfant, si la punition, le décret de l'enfant, il va jamais. On va jamais guérir cet enfant. Amenez-le même n'importe où. C'est une malédiction que vous allez porter à vie. Même quand il va grandir, vous allez souffrir. Vous occupez de lui. Vous faites tout. Même quand il aura même 19 ans, les mêmes souffrances, vous allez toujours faire la même chose. C'est-à-dire, il va aller aux toilettes, c'est vous qui allez l'accompagner, même à 19 ans. Hein. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il aura besoin de quelque chose, il sera toujours en train de vous déranger. C'est une malédiction et c'est une punition contre vous. Parce que vous êtes sorti avec les hommes mariés. Vous avez troublé les foyers des gens. Est-ce que vous comprenez? Oui. J'ai dit quoi? Vous avez fait comment? Que j'ai troublé le foyer des gens. Vous avez troublé les foyers des gens. Je dis les foyers, je n'ai pas dit le foyer. J'ai dit les foyers. Oui, oui. Vous voulez me marier? Vous êtes sorti avec combien d'hommes mariés? Deux, je crois. Voilà. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas deux hommes mariés. J'ai vu trois hommes mariés. Écoutez-moi, ne me mentez pas. Si vous voulez qu'on arrête, on arrête. Vous m'avez parlé de ça. J'ai parlé avec vous un jour. Hein? Oui, c'est ça. Au fait, je me rappelle plus. Il y a tellement de temps. Je ne me rappelle plus, en fait. Je ne faisais pas bien les comptes, en fait. Bon, c'est combien d'hommes mariés maintenant? Trois. Je suis un prophète, madame. Rien n'est caché devant moi. Dieu me parle. Et j'en... Hein? Je ne vous cache rien du tout. Pas du tout. Je n'ai pas pu faire les comptes. Vous n'avez pas pu faire les comptes. Mais comment vous dites, oui. Bon, supposons que vous n'avez pas pu faire les comptes. Mais je vous dis que vous êtes sorti avec les hommes mariés. Pourquoi vous avez dit l'homme marié? Non, parce que je n'entendais pas. C'est sûrement le réseau. Sinon, je n'ai pas voulu vous contredire. Pas du tout. Ok. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous avez l'air de quelqu'un qui veut la délivrance. C'est ça, non? Amen. Oui, c'est ça. Je peux continuer à prophétiser? Oui, amen. Amen. Est-ce qu'on se connaît? On a déjà parlé un jour? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Écoutez-moi, femme. Je dis ceci. Oui. Votre problème, c'est vous-même. L'enfant autiste, oui. C'est vous-même. Parce que vous êtes sorti avec les hommes mariés. Hein? Oui. Et j'ai dit que parmi ces femmes, il y avait des chrétiennes qui ont crié à Dieu. Parce que vous troublez leur foyer. Et c'est cette malédiction-là. Dieu a vengé cette femme-là. Ces femmes-là, voilà pourquoi vous subissez ce que vous subissez aujourd'hui. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Oui. Mais le Seigneur est fidèle et je bénis Dieu qui révèle et qui peut réparer. Au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit quoi? Amen. Je bénis Dieu qui est fidèle et qui peut réparer. Hein? Réparer, oui. Amen. 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 Ok. Seigneur, merci au nom de Jésus. Elle a avoué tout ce que tu m'as montré dans l'esprit sur elle. Père, console son cœur. Mais je voulais dire que l'enfant là ne va pas guérir. C'est un décret qui a été signé. Il va rester comme ça jusqu'à vie. Vous comprenez, non? Donc l'autisme là qui est sur l'enfant là, je ne veux pas vous mentir. Si je prie, ça en veut, mais il ne va pas guérir. C'est une punition. Dieu veut que ça soit comme ça. Mais repentez-vous et servez Jésus. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Ok. D'accord. Repentez-vous et servez Jésus. Continuez à porter ce fardeau. Parce que Dieu vous a jeté ce fardeau pour servir d'exemple à d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. Amen. C'est l'enfant là qui crie comme ça? Oui. Ok. C'est votre punition. Vous comprenez, non? Acceptez comme oui. Ça, c'est pas moi, c'est Dieu. Vous comprenez, non? Oui. Ok. Mais aimez votre enfant. Chérissez-le.
et supporter le fardeau. Vous comprenez? Amen. Ok. Et je suis en train de voir dans 15 ans. Oui. Je vois quelque chose qui va arriver dans 15 ans. Et je vous vois dans l'avenir dans 15 ans. Je vous vois dire, ah, j'ai trop supporté. Je vais aller le déposer dans un orphelinat. Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça un jour? Ne me mentez pas. Écoutez-moi. Oui, de temps en temps, oui. Bon, tellement fatigué, tellement épuisé que de temps en temps, d'une manière brève, ça me passe par la tête. Je me dis que je suis vraiment fatigué de ça. Vous vous dites que vous êtes fatigué de ça, hein? Oui. Et vous êtes dit en vous que vous allez aller laisser cet enfant jouer dans l'orphelinat, vrai ou faux? Je sais pas. C'est passé dans votre tête ou pas? Oui. Alors, pourquoi vous me tournez? Mais j'ai vu cette chose s'accomplir dans 15 ans. Est-ce que vous comprenez? Oui. J'ai vu cette chose s'accomplir dans 15 ans. Et le jour que vous allez aller déposer l'enfant ici dans un orphelinat, Dieu va vous frapper, vous allez mourir. Parce que Dieu veut que vous restiez avec cet enfant. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi, si vous voulez tester, vous allez voir. Vous saurez que je suis un prophète. L'idée qui vous passe là maintenant, vous n'avez pas le courage. Ça vient dans vos têtes, mais vous n'avez pas le courage de le faire. Mais j'ai vu dans 15 ans, hein? Oui, effectivement. Effectivement, ok. Mais je vous ai vu dans 15 ans plus tard. Je vous prophétise l'avenir. Je vous ai vu dans 15 ans plus tard aller déposer cet enfant dans un orphelinat. Parce que vous êtes fatigué. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et en même temps, quand vous l'avez déposé, je vous ai vu dans un cercueil. Ça veut dire que dès que vous allez déposer l'enfant là dans le cercueil, dans l'orphelinat, Dieu va vous frapper et vous allez mourir. Je ne dis pas le diable, hein. Je parle de Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu compatissant. Mais il va vous frapper, vous allez mourir. Je vous dis devant l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, n'essayez jamais ça, sauf si vous voulez mourir. Et si vous mourrez dans cet état, vous n'allez pas voir Dieu. Vous allez aller directement en enfer. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, je vous déconseille ça maintenant. Parce que j'ai vu ça dans 15 ans arriver. Maintenant, ça vous passe juste dans la tête. Vous n'avez pas encore le courage. Mais j'ai vu le courage là venir jusqu'à se manifester en vous dans 15 ans. Est-ce que vous comprenez? Je parle de 15 années plus tard. Il a quel âge maintenant? Il a 6 ans. 6 ans. 6 ans plus 15 ans, ça fait combien? 21 ans, non? Oui. Voilà. Ça fait 21 ans. Donc, je vous ai vu à 21 ans aller déposer cet enfant à l'orphelinat. Donc, faites attention, madame. Le jour que vous le faites, Dieu vous frappe et vous allez mourir. Supportez le fardeau. C'est les conséquences de votre péché. Est-ce que vous comprenez? Oui. Hein? D'accord, oui. Voilà. Oui. Donc, prenez soin de cet enfant. Prenez soin de lui. Même à 15 ans, vous allez le nourrir. C'est Dieu qui veut que ce soit comme ça. Même quand il aura 20 ans, vous allez nourrir l'enfant là. Sa vie, vous allez rester avec lui comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà, ça c'est la volonté souveraine de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Alléluia. Amen. Je vais prier pour vous. Que Dieu vous pardonne. Amen. Demandez pardon à Dieu. Dites Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. D'être sorti. Il y a les gens à côté de vous. Non. Dites, Seigneur, pardonne-moi d'être sorti avec les hommes mariés. Seigneur, pardonne-moi d'être sorti avec les hommes mariés. Je ne le referai plus jamais. Je ne le referai plus jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois la conséquence sur ma vie. Je vois la conséquence sur ma vie. Et j'en souffre tellement. Et j'en souffre tellement. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce fardeau, que cette souffrance, Seigneur, aide-moi et allège les tâches. De ce fardeau, cette souffrance, aide-moi, allège mes tâches. Les tâches. Mes tâches. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, amen. Laissez-moi maintenant, je prie. Père, merci au nom de Jésus.
C'est toi qui m'as révélé, c'est toi qui m'as parlé sur cette femme, sur sa situation. Père, je prie et je déclare que tu pardonnes par le sang de Jésus. Laisse qu'elle soit restaurée. Laisse qu'elle soit pardonnée, je t'en supplie, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, pardonne de ses péchés. Elle a confessé, Seigneur. Elle m'a appelé, elle ne m'a rien dit. C'est toi, par ton esprit, qui m'as révélé son péché. Je prie que tu pardonnes son péché au nom de Jésus. Seigneur, pardonne son péché et accorde cette grâce à son enfant de parler. Que la langue de son enfant soit déliée maintenant. Père, je prie que la langue de son enfant soit déliée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Père, je prie au nom de Jésus. Que la langue de son enfant soit déliée au nom de Jésus. Seigneur, permets à cet enfant de parler. Je t'en supplie au nom de Jésus. Je ne viens pas changer tes décrets sur sa vie. Je ne viens pas changer ta position sur ta vie, sur sa vie. Père, mais je prie, aide cet enfant à parler au nom de Jésus et console le cœur de sa maman. Seigneur, merci parce que tu le fais et donne-lui la force de gérer cette situation, de gérer ce fardeau au nom de Jésus. Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent, que la puissance te soit rendue. Merci de revêtir sa vie, de changer sa vie. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Le Seigneur vous a pardonné. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu Dieu vous pardonner. Maintenant, il y a un autre problème que j'ai vu dans l'esprit pendant que je priais. Que la région enlève les numéros. Ça, c'est la dernière personne que je prends. Je suis fatigué. N'appelez plus, s'il vous plaît. Je finis avec vous, madame. Il y a une autre chose que j'ai vue sur vous. Vous savez quoi? Oui. Je vous ai vu vous marier. En fait, j'ai vu un homme dans votre maison. Oui. Je ne dis pas maintenant, hein, mais j'ai vu un homme. Vous êtes marié? Oui, oui, auprès de mon fils. Hein? Je suis encore marié, oui. Vous êtes encore marié, le père de votre fils? Oui. Oh, il est là maintenant? Non, 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 je vis avec mon fils. Et le père de votre mari, il est où? Il est dans un autre pays, il n'est pas ici, dans un autre pays en Afrique. Il avait une femme là-bas ou pas? Non, à ce que je sache, non. À ce que vous sachiez, non. Oui. Vous êtes marié légalement? Oui. Il vous a marié à la mairie? Oui. Ok, d'accord. C'est que c'est lui que j'ai vu. Parce que j'ai vu un homme à côté de vous. Et l'homme, si je l'ai vu comme votre mari, mais je l'ai vu avoir, en fait, esquiver l'enfant là. C'est-à-dire, en fait, bon, c'est vrai que c'est pas... En fait, ne pas aimer cet enfant, ne pas être avec cet enfant. Oui, oui. Est-ce que vous avez remarqué ça sur votre mari? Oui, oui. Bon, la situation est un peu compliquée parce que moi-même, nous sommes en train de nous séparer. Vous voyez? Oui. Vous voyez? C'est parce qu'il ne veut pas l'enfant là, en fait. En fait, avec l'enfant, si ça ne donne pas, il n'avait jamais souhaité ça de toutes les façons. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Et je suis en train de voir encore même maintenant dans l'esprit. Même si vous vous séparez de lui, l'autre homme que vous allez épouser, écoutez-moi bien, l'autre homme que vous allez épouser, ça sera la même chose. Donc, l'enfant, c'est en fait, il sera comme un challenge contre votre mariage. Ça veut dire que l'homme qui va vivre avec vous ne va pas trop supporter ça. C'est ça. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc, Dieu, que Dieu vous accorde la grâce. Il faut quelqu'un vraiment qui est chrétien, né de nouveau et d'esprit, qui a un cœur de Dieu, qui peut vivre avec vous, avec cet enfant. Ils ne vont pas supporter. J'ai vu ça quand je priais. Hein? Amen. Amen. Ok. Vraiment que Dieu vous aide. J'ai pitié de vous, hein. Mais c'est Dieu. On ne peut rien. Vous comprenez, non? Amen. Amen. Tout ce que Amen. Je peux dire, c'est que le Seigneur vous aide. Vous comprenez? Amen. Et Dieu vous a pardonné pour vos péchés. Donc, allez Amen. Et ne péchez plus. Occupez-vous de votre Amen. Enfant. Et je répète, n'allez jamais déposer cet enfant à l'orphelinat. Le jour que vous allez Amen. Le faire, Dieu va vous frapper et vous allez mourir.
Vous comprenez, non? D'accord. Je pèse mes mots. J'ai dit mourir. Je n'ai pas dit tomber malade. C'est-à-dire, vous allez, on va vous enterrer une fois. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Oui. Donc, supportez. Et de temps en temps, appelez-moi. Je vais prier que Dieu vous accorde la grâce d'un homme qui va vivre avec vous et supporter cet enfant. Et si le Seigneur me dit que ça sera même son père, je vais prier que Dieu touche le cœur de son père afin qu'il aime son enfant. Vous comprenez? Amen. Okay. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je bénis Dieu parce que vous avez accepté toutes les prophéties que j'ai données. Et c'est ça qui a fait votre délivrance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Okay. Amen. Appelez-moi. Amen. De temps en temps, je prie pour vous. Vous avez dit que vous êtes où? En Italie. Vous avez quel âge? 38. 38 ans. Je vous aime beaucoup. Oh, 38 ans. Amen. Amen. Je pouvais même vous donner un mari, mais l'âge là, 38 ans. Oh, je vous aime tellement que j'ai envie de vous donner un mari, même là, mais 38 ans. Mes gens sont encore plus petits, donc on va voir ça après. Amen, 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 amen. Vous voyez, vous merci êtes dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, merci. Shalom, shalom. Shalom, bye. Alléluia. J'aime cette... Vous voyez, moi j'aime déjà cette femme. Pas que je l'aime d'un amour. Non, non, vous là, je vous connais. Vous connaissez interpréter les gens. Oh, je l'aime comme ma soeur. Mais je voulais même déjà lui donner quelqu'un. Mais vous voyez, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Bon, je prends une dernière personne parce que la personne s'insiste. Allô, bonsoir. Elle ne parle même pas. Ok. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Partagez la vidéo. Si vous partagez la vidéo maximum, alléluia, je nous reconnecte et on va continuer à prier. Avant de répondre aux appels, alléluia, attendez un peu. Ceux qui appellent, la régie, remettez les numéros, s'il vous plaît, parce que les gens insistent. On va continuer. Que Dieu me donne les forces. Je vais d'abord donner un conseil aux femmes. Regardez cette femme qui a appelé. Et elle m'a dit que son fils est comme ça, machin. Et Dieu m'a dit que c'est une punition pour elle. Parce qu'elle est sortie avec les hommes mariés. Bien-aimés, s'il vous plaît, femmes, faites attention. Ne sortez pas avec les hommes mariés, s'il vous plaît. La Bible dit que le lit conjugal soit où c'est exempt de toute souillure. Alléluia, de toute souillure. Donc, quand tu souilles le lit conjugal, tu es sous la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous voyez que, à cause du fait qu'elle est sortie avec les hommes mariés, Dieu l'a punie et lui a donné un enfant autiste. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ne sortez pas avec les femmes, les hommes mariés. Ne sortez pas avec les femmes mariées. Sinon, vous auriez des conséquences très graves. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il vous plaît, ne sortez pas avec les hommes mariés. Merci ma fille Chania. Exempte de toute souillure. Voilà. La Bible dit que le lit conjugal soit exempte de toute souillure. Que ma fille Chania m'envoie ce verset, s'il te plaît. La Bible dit que le lit conjugal soit exempte de toute souillure. De toute souillure. Alléluia. Donc, quand tu sors avec un homme marié, tu as 99% que Dieu te punisse grave comme cette femme-ci. Et la punition s'est arrivée parce que Dieu lui avertit plusieurs fois. Et non seulement cette femme criait à Dieu, parce que je vois parmi elles, il y a des femmes qui priaient. Elles ont crié à Dieu que Seigneur, restaure mon foyer. Venge mon foyer. Et le Dieu de vengeance les a vengées en punissant cette femme avec un enfant autiste. S'il vous plaît, faites attention. Les femmes, les hommes, tout le monde, faites attention, s'il vous plaît. Alléluia. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, ma fille Gilberte Simodi, merci Seigneur pour cet amour. Alléluia. Nous remercions tous le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Vous-même, vous voyez la prophétie. Moi, je n'avais pas prévu prophétiser. J'ai même voulu passer sur ça, mais Dieu m'a insisté. Dieu a dit, parle sur ça, mon fils.
C'est Dieu qui m'a demandé de parler sur ça pour sauver la vie de cette femme. Parce que normalement, aujourd'hui, ce n'est pas pour la prophétie. Mais Dieu a insisté que je dois parler. Alléluia.